Députés, chers collègues, voici le résultat de vote. Sur 287 députés qui ont pris part au vote en séance subséquente, un des projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 283 députés ont voté oui. Deux députés ont voté non. Deux députés ont voté abstention. Quant à la proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89-031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie, 285 députés ont voté oui. Deux députés ont voté non. Aucun député n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente les deux textes de loi ci-dessus cités. Ils seront transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture.